Et bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve sur notre Let's Play Assassin's Creed Unity. J'espère que vous allez bien, ça va super. Écoutez, on se retrouve pour le 16e épisode déjà. On devait continuer notre aventure qui se passait ici, hop, ravitailler, on le fait. Ça mange pas de pain comme on dit dans le milieu. Hop, séquence 10, numéro 3, conseil de discipline. Carrément, je me retrouve en conseil de discipline. Ça va partir en vrille, on va encore m'engueuler, on va encore me dire eh, t'as tué trop de personnes. De ta gueule. Que diable s'est-il passé sur la place de la Révolution aujourd'hui? Germain était là. Je connais désormais ses projets. Vous devez... Nous t'avions dit de rester à l'écart de cette enquête. Je sais, mais écoutez. Je sais, mais écoutez, est-ce là l'estime que tu témoignes à la confrérie? Ton attitude ne me surprend pas. J'avais dit à Mirabeau que seule la vengeance comptait à tes yeux. C'est pour ça que j'ai rejoint la confrérie. Oui, non parce que tu partageais nos idéaux ou par sens du devoir, pour te venger. Pour trouver la rédemption. Ne joue pas sur les mots. Tu n'as cessé de désobéir aux ordres du Conseil. Tu as traqué des cibles sans sa permission et foulé aux pieds le credo à chacun de tes pas. Maître Trenet. À la lumière de ces actes, je n'ai d'autre choix que de demander un vote d'expulsion. Maître Bélier? J'approuve. Qu'est-ce que... Maître Kemar? J'approuve. Arnaud Dorian, tu n'es plus des nôtres. Ton rang et ton titre te sont retirés et tu es désormais à jamais exclu de la confrérie de Paris. Vous êtes devenu fou. Écoutez-moi, je sais ce que prépare Germain. Je peux l'en empêcher. La décision de ce conseil est sans appel. Tu peux partir maintenant. Ça pue là. Hein. On est d'accord que là, je vais me faire bloquer certaines choses, non? Je vais avoir des répercussions là sur mon gameplay. À l'aide. Non, mais c'est vraiment des boulots de m'exclure. Mais ils ont rien compris, les mecs. Ils mériteraient tous de mourir. Versailles, 4 juin 1793. Ah, c'est le bordel. Hein. Ah oui, d'accord. On sort. Non. Non. Ah, où est-elle? Brasserie Garceau. Mais quand? Hier soir? Eh ben nickel. Ça quand on se bourre la gueule. Fiche le camp d'ici. Mais... Dehors! Tu as causé assez d'ennuis pour ce soir. Très bien. Alors dans ce cas, j'irai trouver du vin ailleurs. Nombre de pensées pour les actes. Ok. Nous sommes totalement bourrés. Je vais choper le journal que je vois là. Par contre, c'est. Oh la vache. Horrible. 1791-14.
Bon, il y a une cocarde d'un côté, c'est pas grave, on va pas tout faire. Par contre, ici, j'ai vu des choses, là. Mais genre, il y a un coffre légendaire. Non. Allez, casse-toi. C'est un malin. La prochaine fois. Qu'est-ce qui se passe? Ça me saoule. J'ai perdu. J'ai paniqué. Allez, toi, tu meurs. Putain, mais il y a un coffre légendaire ici, quoi. Je pensais que ça existait plus, moi. Oh là là, les ravages de l'alcool. Quelle idée de boire. Je suis même surpris qu'il arrive à grimper, mais ça me va. Citoyen, on ne bouge plus. Qu'est-ce qu'il fait? J'aimerais juste que tu grimpes. Là. Voilà. Et j'aimerais que tu ouvres le coffre blanc qui est ici. C'est insupportable par contre d'être bourré. C'est pas du tout un effet que je recherchais dans l'expérience du gameplay de Assassin's Creed. J'espère que cette expérience est unique et qu'elle ne reviendra donc jamais. J'ai fait n'importe quoi. J'ai cru que j'allais pouvoir l'exécuter en face, mais il y avait des zones. Pourquoi j'ai pas réagi? Que je vole un baril. D'accord. Et ben bravo. C'était la nuit dernière. Je l'ai peut-être laissé là-bas. Peut-être. Ou peut-être pas. Alors, allez à la brasserie. On va y aller de ce pas. Je suis triqué par la cocarde qui est là. Ah mais on est totalement ailleurs. Saint-Louis, Versailles. D'accord, c'est vrai qu'il y a autant de coffres. Ah. C'est donc ça terminé. Versailles à 100% en succès. Alors, eh bien allons-y. 117 mètres. Allez. Recoller quartier. La tour. J'étais à ta taverne hier soir. Je ne fais pas d'appel avec les gens. Tac. Ça, c'est déglingué. Maintenant, à quelques mètres. On dirait que des gens se sont battus. Oh, Seigneur, non, pas toi. Tu n'as pas causé assez de dégâts hier soir. Non, c'est juste que la montre de mon père, vous ne l'auriez pas vue? Non, je n'ai rien vu. Si tu allais demander à l'un des quatre gars avec qui tu t'es battu. Idiot. Peut-être un peu trop fait la fête, moi. Fais attention! Là, je ferai pas ça, mon gars. La ferme, le vieux. Allez, d'accord.
On était vraiment à être défoncé à ce moment-là. Et je les déglingue en fait. Finalement, le but de cette mission, c'est de se rappeler à quel point on peut être débauché à certains moments. Et par contre, on se bat hyper bien en étant bourré. Je tiens à le préciser. Allez. Tu meurs. Ah, je suis pas si mal. Aïe. Quelqu'un avec sa grosse hache. Hein. Oh la vache. Ah d'accord, c'était calculé en fait. C'était vous. Ah oui. C'est donc lui le coupable. On va le défoncer. C'est marrant, il est encore là. Toi. Oh. Dis-moi où est ton chef. Oh, diable. Non. Reviens ici. Et ben, on court. Parfait, c'était simple, efficace, rapide. Ça, c'est des petites courses poursuites qu'on apprécie. Où est-il? Au palais. Ils sont au palais. Merci. Ouh. Il l'a bouffé, sa patate. Bon. Après, il va se passer quoi une fois qu'on a récupéré la montre, quoi? Est-ce que c'est Elise qui va nous repêcher? Sachant qu'on s'est fâché aussi avec elle. On est vraiment au fond du gouffre, là. Exclu de la confrérie. Et on a perdu Elise. Bon, bah, on a toujours nos armes ultra cheat. Quel putain! Meurtre à l'empoisonnement, mais j'ai pas d'empoisonnement en fait. Emportez ça qui... tout, les gars. C'est mieux que les fermiers et leurs pièces en cuivre. Oh, c'est stylé. Ne bouge plus. Bon, on a capté. Moi, j'ai pu en tuer les trois quarts sans me faire opérer. Voilà. Oula. Ah. Ceci me fait peur. Je dois suivre la madame sans les cheveux là. Sur une madame sans les cheveux, je suis pas sûr que ce soit une bonne strat. Hein. Ah mais non. Ça me fait penser à cette scène du début où on suivait Elise. Ça m'a fait penser à cette scène du début où on suivait Elise. Non. Si ça se trouve. Si, c'est ça, non? Mais oui, c'est ça. On dirait que tu as causé une nouvelle agitation. Que veux-tu que je te dise? Tu as toujours eu une mauvaise influence. Ça se trouve, c'est comme ça qu'on va être amené à aller lui reparler. Parce qu'on va se souvenir d'elle. C'est beau, l'amour. Aucune idée de là où je dois aller. Hein. Trafalgar, il n'y a rien ici. Je trouve le seum. Il y a tellement rien. Je trouve ça honteux. Qu'est-ce que mon père s'achève? Descends.
Ah, là-haut. L'objectif est là. Je le cherchais. Eh ben, vas-y, grimpe. Ah. D'accord, je vois. Ça me paraît un peu chiant, là, ce qui se passe. Ok, attends, si je vais là. Bah, je peux pas, parce qu'il y a des... Vous ne nous arrêterez pas. Ah, d'accord. Hop, coup d'épaule et le coup fatal. Alors, maintenant que cela est fait, est-ce que je peux... Je prends l'argenterie. Alors, content d'être venu, hein. Tac. Oh là 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 là, les petites exécutions qui font plaisir. Elles sont secrètement faites dans la discrétion la plus absolue. Et on suit le pattern donné afin d'aboutir à la suite de cette quête. Ça m'en a tout l'air. Ah d'accord. Bloqué par... l'autre qui était en train d'essayer de tomber, quoi. Ah ouais. Ne puis-je pas venir avec vous, père? Courage, mon garçon. Tu vas m'attendre ici. Et je reviendrai quand c'est fini. Ce sont tous nos souvenirs. Depuis le début de cette aventure. Ah bah dis donc, ça y est, ça recommence. Et Arnaud, pas d'exploration, compris? Oui, père. Ça, c'est pour qu'on puisse se réconcilier avec Elise. On va lui parler après, c'est moi qui te le dis. Ça n'est pas normal. Mais qu'est-ce que... Mon Dieu ! Tu veux quoi, toi ? Ma montre. Ouais, je veux ma montre. Prends-la-moi. Hop, regarde, je la récupère. Attends, gamin. Tu es à moi. Allez, toi, tu meurs. Parce que je l'ai décidé. Aïe. D'accord. C'était les pires moves de l'hiver, mais ça a fonctionné. Allez, hop, interagir. Récupère cette montre, c'est la mienne. Ah bah oui, la mort de la sœur. Ah, on se souvient de tout, en fait tout s'est passé ici. C'est vrai que j'avais pas trop... J'avais pas plus réussi que ça. Et finalement la question se pose, mais qui suis-je? Arnaud. Ah bah voilà. Dans un sale état. Mais on vous aura. Et toi, tu es venu me demander quelque chose. Comment tu peux dire ça après avoir disparu de cette façon? Tu m'as bien fait comprendre que tu n'avais plus besoin de mes services. Non, je t'interdis de me parler comme ça. Que veux-tu que je te dise, Elise? Pardonne-moi de ne pas t'avoir laissé mourir. Désolé de tenir davantage à toi qu'à la mort de Germain. Je croyais qu'on désirait la même chose. Ce que je désirais, c'était toi. Je n'oublierai jamais que c'est ma négligence qui a causé la mort de ton père. Tout ce que j'ai fait depuis, c'était pour réparer cette erreur. Et éviter qu'elle se reproduise. Tu n'es sûrement pas venu ici sans raison. Alors que veux-tu? Paris est en train de se déchirer. Germain a conduit la révolution dans les abîmes de la décadence. Les guillotines opèrent quasiment jour et nuit. Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Tu es charmant. L'homme que j'aime n'aurait jamais posé cette question.
Tu vaux mieux que ça. Je rentre à Paris. Tu viens avec moi ? Je dois d'abord régler une dernière chose. Très bien. Je vais nous trouver un moyen de transport. Fais attention à toi. Ne te fais pas prendre. C'est marrant ça. Parfait. Mémoire terminée. Bon, évidemment, il n'y a pas les trucs secondaires, les objectifs de fait. Bon, à un moment donné que j'ai abandonné, je pense pas que ça je les ferai à 100%. Flemme de tout refaire. De refaire toute l'histoire juste pour Carissa à 100%. Même si tout n'est pas à refaire, mais bon. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Qu'est-ce qu'il nous reste à accomplir finalement? Ah. Me revoilà. Comme il se doit en tenue. Ah, un meurtre. Regarde dans quel pétrin tu nous as mis. Silence là-dedans! Voici donc ce qu'est devenu la France. Des parasites qui saignent la révolution à blanc. Tué. Il faut le tuer. La touche. Un meurtre, une 35 gardes, 10 cachettes. Assassiner la touche, d'accord. Hop, on va ravitailler. Viens ici. Mon père était un excellent arracheur de dents. Hey, viens ici. T'as voulu faire le malin, t'es tombé dans le ravin. Est-ce que je peux choper le journal d'aujourd'hui là? Histoire de compléter mes données. Opportunité d'assassinat et aide. Alors j'ai vu qu'il y avait une histoire de pomme. Par contre ces gens qui volent là ça me perturbe. Qu'est-ce que c'était? T'as une part, je déchire tout le monde. Est-ce que c'est comme ça que doivent se faire tous mes assassinats finalement, en échec et en massacre? Oh la vache que je mange. C'est vraiment le bordel hein. Et moi pour créer des opportunités pire chaque lune hein. Je refuse de mourir. Le bordel, c'est un peu le bordel. Arrête, arrête. Oh, je me retrouve mais dans un complot là. C'est un complot. Stop. Je vais aller choper la touche. Oh, mais c'est le bordel, les mecs. Vous êtes partout. Quoi, mais il était où? Ah, il est là. Alors, vous appréciez ma manière de me carapater partout?
sort mon n'importe quoi. Crée des opportunités, mais mec, ça t'aime toujours envie à chaque fois. Je fais par faire massacrer et tuer. De la pire manière qui soit. Il ne s'agit pas d'une erreur. 10 000 livres se sont évanouis du trésor de Sa Majesté. Je regrette. Adieu. Monsieur Latouche, on raconte que vous étiez percepteur. Oui, monsieur. Bien. J'aurais grand besoin de vos talents. C'est du parasitisme pur et simple. Ça veut dire quoi? On dit ça des fils de chien qui se remplissent les proches nus de faire leur travail. Si tu savais tout ce qu'entendent les rats du chef. Dites-moi davantage au sujet de ce chef. Ah là là. Bien. Puisse le père de la sagesse nous guider. Puisse le père de la sagesse nous guider. Qu'attendez-vous de moi, grand-mère? Je mets tes services à la disposition de notre agent à la convention. Le Pelletier? Non, le Pelletier présente son utilité, mais il n'est pas notre seul ami au gouvernement. Mon bon Latouche, je te présente monsieur Maximilien de Robespierre. Monsieur, j'ai cru comprendre que Versailles grouillait de parasites. Regarde, hop, je m'en tire. Et t'auras rien capté, frère, parce que je suis... D'accord, non mais mon personnage te baisse jusqu'à... jusqu'au bout de la nuit. Jusqu'au bout de l'éternité. Il s'est arrêté à une table, il a fait... Je suis sur la table. Hop. Où est ce coffre? Mémoire terminée, bon, parfait. Ils ont retrouvé notre trace. Ah. Et au pire moment. Grand-père, 2 secondes. On approche initié. Arnaud et Germain se sont affrontés dans les mois qui ont suivi. Mais on ignore où et comment ça s'est passé. Ah, ça c'est Germain qu'on cherche. Je compte sur toi pour le découvrir. Ça y est, le portail est ouvert. Oh, ça vibre dans tous les sens, quelle horreur. Si tout va bien, ce sera ta dernière migration forcée. Et si ça se passe mal, tu te feras griller l'hippocampe et on te nourrira par perfusion jusqu'à la fin de tes jours. Essayons de ne pas y penser, ok? Bon, oh mais quelle horreur, la manette qui vibre là. Je veux mourir. Allez, grimpe. Allez. Ah ouais. C'est d'accord, ok. Donc moi je vais dedans, mais pas exactement dedans. Non bah non, parce que j'étais pas dans l'angle d'inclinaison voulu. Bon là ça va. Dernière migration, quoi, j'espère, parce que j'en ai marre de sentir ma manette vibrer. Et toi aussi je me retrouvais où? Donc on a fait la vieille France. Non, la Nouvelle France. Vieille, Nouvelle, oh je sais plus. On a fait la Seconde Guerre. Et maintenant? Oh, on va se retrouver quitter cimetière. Ça devrait te rappeler quelque chose. Nous revoilà dans le Paris médiéval, à la fin du 14e siècle. Tu es hors des murs de la ville. Tu dois trouver un moyen d'y entrer. Paris médiéval. Bah oui, non, qu'est-ce que je veux chercher? Moi, y a pas de carte. Moyen-Âge, Deuxième Guerre mondiale, on était à la belle époque. Ça, c'est vrai que c'était stylé. Ok, traverser les catacombes. C'est que ça me plaît tout ça. Nickel. Pour bien finir. Ok. C'est pas compliqué, c'est du tout droit. Ça passe pas ça. Hein. Par contre, ça passe. Ah oui, d'accord. Excusez-moi, je n'ai point compris qu'il fallait que je reste en haut.
On continue notre ascension vers les enfers. On descend vraiment si bas. Comment c'est possible? Super. Je suis heureux de savoir que des pierres peuvent me tomber sur la tronche à tout moment. What the fuck? Cette simulation est en train de détruire. Trouve la sortie, vite. Wow, wow, wow. Trouve la sortie, vite. J'ai trouvé une sortie. Oh la vache, la manette qui vibre. J'aurais dû aller désactiver ça. Oh, c'est beau. T'as presque envie de fouiller cette époque. D'y rester, tu sais. Ok, ah oh, ouais. Ils sont en train de se battre, hein. Ah ouais. Gros château fort là. Combat médiéval. Et la faille est. Wow. Ah ouais. Ça c'est stylé de ouf hein. What the fuck. Mais comment je me fais agresser. Ok. Tout va bien. Je suis overcheat. Rien ne peut m'arriver. Même si des boules de feu me tombent dessus. Trouve la sortie, vite. Est-ce que je peux? Ce stylé, petit château fort là. Oh, avec la cathédrale derrière et tout. Continuez. Alors, du coup maintenant qu'on a tué la touche, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Allez, vas-y, charge. Charge, mais dépêche-toi, s'il te plaît. Ok, initié, finissons-en. C'est la dernière ligne droite. Champ de Mars. 8 juin 1794, je crois. Les choses ont beaucoup changé depuis que tu as quitté Paris. Nous avons beaucoup de torts à réparer. Et nous ne sommes pas prêts de trouver Germain. N'en sois pas si sûr. J'ai un nom. Lequel? Robespierre. Rejoignez Franciade à l'aide des voitures indiquées par F. C'est vrai que ça j'utilise pas du tout d'ailleurs. Franciade. Non, ça c'est un V. Ça c'est un F. Ah oui, d'accord. J'utilise pas du tout ces trucs là. Déplacement rapide. C'est vrai que. Que j'en prends pas du tout rigueur à chaque fois. Il n'y en a pas tant que ça en fait. Au niveau point d'intérêt, comment est-ce qu'on est. Alors attends, ok. Bon. On va s'arrêter ici. Ça fait un bon épisode aussi. Eh bien écoutez, j'espère que vous l'avez apprécié. Alors oui, effectivement, j'ai des points. J'en ai 9. Alors justement, je peux enfin crocheter. Voilà, que ça, plus de prise de tête. À ce niveau-là, plus de perte de temps. Et après, on verra du coup ce que j'achèterai. On aura le temps d'y penser, vu qu'on va faire les récits parisiens. Eh bien, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner. Si ce n'est pas fait, et puis écoutez, moi je vous dis ciao.